n'est pas le casque de ces là. On a le grand plaisir d'inviter aujourd'hui, pour moi, un grand anthropologue politique ou historien politique, Hugues Roberts, qui est professeur d'histoire sur l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à l'Université du Tufts aux États-Unis. Hugues a passé plusieurs années au Caire, où il est actuellement en déménagement. Il a travaillé extensivement sur l'Algérie, et particulièrement dans la région de la Kabylie. Il a écrit les articles, des livres sur l'anthropologie de la Kabylie, sur l'anthropologie politique de l'Algérie et sur la politique en général. Nous sommes vraiment contents qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Ça fait apparemment 26 ans qu'il n'est pas venu ici à Rome. Et donc, c'est un grand plaisir de lui recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ont pu assister hier, il avait discuté de comment il a fait le terrain en Kabylie, sur l'ancienne recherche. Et demain aussi, il va parler au niveau du casque à 14h sur le royaume Koukou, qui est un sujet très peu connu et assez occulté dans l'historiographie algérienne. Aujourd'hui, on a aussi le très grand plaisir d'avoir comme modérateur Sarik Benkada, historien de la sociologie politique et spécialiste de l'Algérie et de la politique municipale, qui va modérer le débat. Merci beaucoup. Mes amis, bonjour. Salam alaikum. Donc, nous continuons le cycle de nos conférences au CEMA. Et je dois dire que j'ai le plaisir et le privilège d'aligner en quelque sorte les conférences. Notre ami Hugues Roberts, même s'il n'est pas venu depuis 26 ans au rang, quand même nous recevons ses écrits, ses articles, dont quelques uns ont été publiés dans ICI Liette, notamment le numéro spécial sur le local et le général. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous touchons à un sujet qui est très d'actualité, parce que pas plus tard qu'hier, l'Assemblée nationale populaire a voté le nouveau code communal, et là nous entamons une nouvelle phase dans le problème, dans la problématique des libertés communales. C'est un terme qui n'a pas été très hésité. On a employé il y a quelque temps les libertés académiques, maintenant nous entamons les libertés communales. C'est un concept très très important. Et justement, la conférence de notre ami Hugues Roberts, la conférence elle tombe à point justement pour nous éclairer sur une phase très importante sur la naissance des institutions populaires après 1962. Et à mon avis, et je crois que c'est l'avis de tout le monde, les premières élections communales, régionales et locales, celles de 67, ont été très instructives. Et justement, sur ce sujet-là, que je vous cède la parole à notre ami Hugues Roberts. On lui laisse le choix du temps pour qu'il parle à l'aise, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et puis, nous verrons, comme nous avons dit hier, un petit débat, même un grand débat, petit, dans le temps, le grand, dans le contenu. Et donc, nous entamons notre conférence et je cède la parole. On va remercier mon avance à M. Hugues Roberts. Et merci aussi au CEMA de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir parler de mes recherches aux Algériens. Et c'est aussi un grand plaisir de me retrouver enfin de nouveau à Oran, après une très longue absence. Donc je m'excuse. Je vais parler aujourd'hui de mes recherches, mes premières recherches sur l'Algérie qui remontent aux années 70. Il s'agit de certaines recherches et découvertes dont j'ai peu parlé dans mes écrits jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Bob en particulier qui m'a poussé à désintégrer ces vieux papiers pour les présenter. Je me suis intéressé à l'Algérie dans le début des années 70 et la question que je me suis posée, c'était surtout la nature de l'État algérien, né de cette lutte de libération, et le rapport État-société. J'ai voulu comprendre cela. Et comme j'ai expliqué à un atelier au Crasse-Pierre, j'ai voulu d'abord étudier la question du rapport État-société en Algérie à cette époque-là,
approfondissent à travers l'étude d'une politique, la politique agraire de l'État algérien, la révolution agraire. J'ai mis du temps pour me rendre compte que, en fait, c'était, j'avais pas vraiment la possibilité, jeune chercheur que j'étais, de mener à bien les enquêtes que j'avais souhaité faire sur ce sujet précis. Mais par contre, ayant passé une année en Algérie en tant qu'enseignant d'anglais à la ville de Bouira, à la lisière de la Kabylie, j'ai pu me faire des relations dans la région et j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la réalité sociopolitique de la Kabylie à l'époque. J'ai pu avoir des informations et donc je me suis décidé de poursuivre un peu les recherches dans ce sens sur la vie sociale et politique locale. Et j'ai pu avoir des informations, des données, surtout sur les élections, que j'ai trouvées très très intéressantes. Enfin, moi personnellement, je les ai trouvées intéressantes, je vais les partager avec vous. Parce que, en fait, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes enquêtes dans la région et surtout à la montagne, dans le Jojoba, a fait en quelque sorte voler en éclats certains clichés sur l'Algérie, sur l'État algérien de l'époque. En particulier, ce que je voyais dans les récits qu'on me donnait sur ce qui se passait sur le terrain, surtout lors des élections, c'est que aussi autoritaire qu'il a pu être, l'État algérien à l'époque n'était pas vraiment en dictature dans le sens qu'il n'imposait pas. Il y avait en quelque sorte, certainement, lors des élections, il y avait un jeu politique avec de multiples acteurs. Il y avait des manœuvres à droite et à gauche. Il y avait en quelque sorte une négociation entre État et société. C'était la conclusion à laquelle j'ai abouti. Alors, je vais maintenant vous expliquer, je vais montrer les données qui m'ont poussé à voir les choses de cette manière. Je vais surtout parler de la région de la Grande Kabylie. Ça n'a aucun effet. Bon, vous voyez ici Aïn al-Hammam. J'ai fait mes recherches surtout dans la région d'Aïn al-Hammam, c'est de là où je vous rassemble. Bon, est-ce que je vais passer un peu de temps? C'est ex-Michelin. Ex-Michelin, certains disent toujours Michelin. Ça marche. Oui, ça marche. Oui. D'accord. Or, pour une première hypothèse que j'ai voulu soumettre à l'épreuve, il y avait l'hypothèse que l'État algérien, dans son intervention dans cette région, comme ailleurs, menait une politique de nota. C'est ce à quoi on s'attendait, vu l'exemple marocain par exemple, et vu aussi, bien entendu, l'exemple algérien de l'époque coloniale. La France avait une politique de nota, elle misait sur certaines grandes familles de manière assez suivie et continue. Et donc, se poser la question, mais en Kabylie, société aux traditions très égalitaires, qui peut être notable? Et la réponse, en fait, donnée par la société traditionnelle, c'était, grosso modo, il y avait deux réponses. Il y avait d'une part les grandes familles maraboutiques, dont la France s'est servie beaucoup des caïds dans l'époque coloniale, venaient des familles maraboutiques en Kabylie. Mais il y avait aussi cet autre notable traditionnel, dans la mesure où chaque village kabyle et chaque arch, c'est-à-dire ensemble de villages, tribus si vous voulez, douars, comme on les appelait dans l'époque coloniale, était divisé traditionnellement en deux partis politiques, deux soufouf, comme on disait. Et le SAF, ce n'est pas un groupe de parenté, c'est un alignement politique. Or donc, dans chaque village, il y avait la tête du Sof, Arkalon Saf, qui pouvait faire fonction de notable. Or, j'ai voulu donc savoir dans quelle mesure l'État algérien, issu de cette révolution, se rabattait sur les
façon de faire de son prédécesseur. Et j'ai vu, par exemple, qu'il y avait des continuités, il y avait, je vais parler aussi des discontinuités, des changements, mais il y avait quand même des continuités avec l'époque coloniale. Par exemple, pour prendre une famille de notables, voilà le cas de la famille Atli de Bousguin. Vous allez voir que c'est une famille célèbre parce qu'il a donné à l'Algérie un chef de village, le colonel Mohamed Al-Hajj. Était de sa famille, le voilà, Mohamed Atli, Mohamed Al-Hajj. Mais c'est une famille qui avait déjà le statut de notabilité dans la mesure où la mine du village de Bousguin en 1905, c'était membre de cette famille. Il y avait un membre de la Jama, le Doua Benayedjel Sahel, bien avant du temps de la France. Et après l'indépendance, on voit des membres de cette famille se présenter comme candidats dans les élections pour les assemblées populaires communales à Bousguin en 67, en 71, et pour, dans les élections pour les APU en 74. Donc on voit une certaine continuité. Ce n'est qu'un exemple, hein, j'aurais pu vous offrir beaucoup d'autres exemples. Et par exemple, ce tableau peut être un peu compliqué pour vous en parler. C'est une liste, en fait, des candidats, des personnalités politiques dans la vie politique de la région de la Grande Kabylie, Barila et Tizouzou, à l'époque, dans les années 60 et 70, qui ont pu faire carrière de manière continue à travers les élections. Vous voyez, il y a des présidents de la PC qui restent présidents, par exemple M. Ben Yahya à Tizouzou, bien qu'élu en 13e position en 67, il devient président de la PC. Voilà. Il se maintient, mais il est élu en première position 4 ans plus tard, et en première position encore 4 ans plus tard, c'est donc il fait carrière. Évidemment, il a pu se maintenir, il a pu devenir en quelque sorte un constant de la vie politique de la région à cette époque. On voit dans cette liste beaucoup d'autres cas, des candidats qui arrivent à se faire élire et réélire, à faire Prédis, à Béchour, par exemple, Bouska Zoubir, à Chofla, et ainsi de suite. Donc on voit, d'une part, dans la vie politique de la région, des données qui autorisent à croire que l'État voulait bien pouvoir miser sur certaines personnalités politiques de manière continue. Mais, et ce que je fais remarquer dans cette liste, que par contre, il s'agit surtout de la daïra de Tizi Ouzou, c'est-à-dire la Kabylie, enfin Tizi Ouzou, la ville, mais Iflesen Makouda, c'est au nord de Tizi Ouzou, c'est la Kabylie maritime. Bouira Bechlol Chorfa, c'est le versant sud du Djojara, c'est en quelque sorte la plaine au sud du Djojara. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Geroma, c'est l'Aftaria, c'est au sud-ouest. Delis, c'est toujours la Kabylie maritime. Isser, c'est l'ouest, c'est aussi la basse Kabylie. I keep losing this cursor. Move your finger on that. It's gone completely. Here we are, voilà, de retour. Et aussi les communes de la plaine au pied du Djojara occidental, c'est-à-dire la plaine où se trouvent les villes de Borni, Dramizan, Wadia, etc. Alors, à part les deux dernières personnes mentionnées, Khalid Wedir, Aïn al-Hammam et Hamid Sidi Saïd, Aïn al-Hammam, la montagne n'est pas vraiment représentée dans cette liste. Grosso modo, on peut dire qu'on voit une grande continuité dans le leadership politique local à travers les élections, essentiellement dans la Kabylie maritime, la basse Kabylie, la plaine. Alors qu'ailleurs, on voit tout à fait autre chose. Ce sont des découvertes que j'ai faites. Par exemple, quand on se penche sur la daïra d'Azazgan, à l'est de la région, qui comprenait à l'époque à la fois la partie orientale de la Kabylie maritime, c'est-à-dire la région d'Azfoun,
mais aussi la région d'Akfadou, c'est-à-dire Bouzgan, la confédération dite Adidja, et aussi les îles de Noumalou plus au sud. C'est vraiment la haute montagne, c'est la partie extrême est de la chaîne du Jojoba. On voit qu'il y a une très grande discontinuité, parce que cette liste, c'est quoi? Ce sont des candidats qui ont triomphé aux élections de 67. Vous voyez ceux qui se font élire en première position, en deuxième position, en troisième position à Azazka, en première position et en troisième position à Asfoul. Les premiers, deuxième et troisième à Eloula, comme ça, Thémisa, c'est la même chose. Ils disparaissent tous. On ne les revoit pas. Ils ont eu, par exemple, leur moment de gloire, et puis, pour une raison qui reste à expliquer, ils ne jouent plus aucun rôle. On ne les revoit pas au scrutin sur les précédentes, en 71 ou en 75. Et c'est la même histoire. Dans la Daïla de l'Arbanetheraten, à l'époque, comprenait ce qui était devenu par la suite la Daïla d'Aïla-Panam, c'est-à-dire c'est donc le massif, la partie orientale du massif central de la Kabylie jusqu'à l'épine dorsale du Djebel Djoukara. C'est donc le pays qu'on appelle, les historiens appellent cela le pays Swaba. C'est la région la plus montagneuse de la Grande Kabylie. Et on voit, curieusement, la même chose, c'est que ceux qui ont eu des résultats brillants en 71 disparaissent par la suite. Ceux qui sont allés en première position, deuxième position à Beniani, les trois premières positions à Ergen, premier et troisième à Labanaïf-Delatène, première position à Désirachet, vous voyez le tableau, c'est la même histoire partout dans la Dalet de Labanaïf-Delatène. 4 ans plus tard. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de curieux. Et autorise peut-être plus qu'une hypothèse pour expliquer cela. J'ai fait cette découverte, je me suis dit, est-ce que c'était lié? Parce que ces résultats-là, ce n'est pas, comme on va le voir, ce n'est pas simplement le fruit des choix des électeurs. Le rôle de l'État dans le déroulement des élections est évidemment tout d'abord, dans le processus à l'époque, il y avait le rôle du parti de FLN. C'est le parti, il n'y avait qu'un seul liste, bien entendu, pour être candidat, il fallait avoir la caution du parti de FLN. Et comme on m'a expliqué dans la commune que j'ai étudié de plus particulièrement, il s'agit de la commune aujourd'hui disparue, depuis le nouveau découpage de 80. En 1984, c'était la commune de Tassaft, au cœur de Jojoba, qui prenait son nom du village Tassaft-Ougoumoun, le village de feu le colonel Armerouche, on parle des Hamou Armerouche hier. Le processus, c'était que c'était au Kasma, la branche, enfin la section du parti au niveau de la commune, de dresser une première liste de candidats. En recueillant les propositions de toutes les cellules de village. Dans chaque village, il y avait une cellule du parti qui faisait des propositions. Le Kasma mettait tout ça en forme. Il y avait peut-être à Tassaft, où il n'y avait que 15 sièges sur la PC, il devait dresser une liste de 30 candidats. On donnait un choix aux électeurs. Mais on recevait au début peut-être une cinquantaine de propositions, donc c'était le classement de 30. Donc il y avait l'intervention du parti dans la sélection, la première sélection des candidats. Donc si tous ces candidats qui avaient réussi à Azazga en 67 ou à l'Arbanet-Ferraten en 71 ont disparu, il y avait un choix politique quelque part. Quelqu'un a c'est pas le jeu de hasard, c'est pas le fruit de l'hasard. De l'hasard. Bon. Je vais mettre ça. Voilà. Or, j'avais une hypothèse que j'ai considérée, et
peut-être que je n'avais pas pu avoir suffisamment de données pour trancher, c'est qu'à l'époque, c'était l'époque surtout 71, 75, c'était l'époque de la révolution socialiste. C'était le moment où l'État algérien poursuivait, de plus en plus d'ailleurs, au niveau national, une politique socialiste, la révolution agraire, d'une part, la gestion socialiste des entreprises dans le secteur industriel, et où, donc, une hypothèse, c'est que cette politique rencontrait certaines résistances. Et que peut-être, alors que dans la plaine, on pouvait, c'est-à-dire grosso modo, schématiquement, dans la plaine, on pouvait miser sur une personnelle politique qu'on maintenait dans leur poste, sans problème, que arrêter le pendule dans la montagne, c'était autre chose. Parce que le fait de miser sur les notables de manière continue, évidemment, là où les traditions du jeu des soufoufs dans les villages à la montagne, cette tradition a pu se maintenir, miser toujours sur les mêmes notables voulait dire arrêter le pendule. Ça voulait dire en quelque sorte outrepasser le jeu politique traditionnel au niveau local. Et il me semble qu'en fait, ce à quoi on a assisté, et ce qui laisse croire les données que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, à la montagne, dans la Daïla de la Bani Thalatan, et la région d'Ain al-Hammam, et aussi dans la Daïla d'Azazka, pour des raisons qui restent à expliquer, l'État, en quelque sorte, il s'est joué du pendule, joué de ce jeu de sport. On voit que tantôt ce sont les uns qui l'emportent, tantôt le pendule bouge et c'est une autre équipe politique qui prend le dessus. Donc vous comprenez que, ayant trouvé ça, tout ça m'a intrigué. J'ai cherché à comprendre les modalités de ce jeu. Rationnel et des modalités. Bon, un élément des modalités, je crois avoir ça. Ah non, je suis allé trop loin. C'est là, voilà, les wali. Et il fallait mettre dans l'analyse le rôle du wali. Et ce qu'on constate, que dans la wilaya de Tizi Ouzou à l'époque, il y a quatre wali qui se sont succédés, tous originaires de la région. Mohamed Saïd Mazouzi, un célèbre ancien Moudjahid, devenu par la suite ministre des Moudjahidines. Il était, après avoir été wali, il était pendant un bon moment ministre du Travail et des Affaires Sociales. Et on le voyait, moi à l'époque, je le voyais comme étant quelqu'un qui était sur lequel le président Boumediene pouvait compter pour mener à bien sa politique socialiste. C'était un homme dont on disait qu'il se situait plutôt à gauche. Et il a été wali entre 66 et 68. Par la suite, il est devenu ministre et il est remplacé comme wali par Razali Ahmed Ali. J'ouvre une parenthèse. À l'époque, la presse algérienne le confondait souvent avec le PDG de la Sonatrach, en l'appelant tous les deux Ahmed Razali. Or, ce sont deux personnages tout à fait différents. C'est Ahmed Razali, évidemment, mais il est de Lorané, il est de Kalikao, Fédéranien. Mais Razali Ahmed Ali, le nom de famille, c'est pas Razali, c'est Ahmed Ali, c'est une famille marroutique de la haute Kabylie. Et lui, donc, il s'agit bien de distinguer ces deux personnages. C'est lui qui a été wali à partir de 68, et c'est lui qui a... diriger la mise en œuvre du plan du programme spécial pour la Grande Kabylie décidé par le Conseil de la Révolution. Il y avait deux grands programmes spéciaux pour la Grande Kabylie et pour l'Orès de région qui avait posé ou risquait de poser des problèmes politiques et on voulait bien les intégrer, ça faisait partie de la philosophie de nation building de l'époque. Et c'est Ahmed Ali Razali qui
qui s'est fait célèbre, enfin qui est devenu célèbre par son activisme en tant que Wali dans la mise en application de ce programme. Et par la suite, il est devenu Wali d'Annaba et s'est fait remplacer par Mohamed Chef Faroubi, qui s'est fait encore remplacer en 1979 par Hamid Sidi Saïd. Or, on remarque, les trois derniers sont tous des marabouts. C'est peut-être une coïncidence, un accident, mais quand même, l'analyste doit relever ce fait. C'est une grande famille maraboutique de la région de Nord-Hama. Mohamed Sharif Kharoubi, c'était une famille maraboutique de la région de Drab-en-Feta. Et Hamid Sidi Saïd, c'est aussi une longue famille maraboutique, on peut dire la première famille maraboutique d'Ain al-Hanam. Le grand poète Kabir, si Mohamed Mohamed parle d'Ain al-Hanam, al-Hanam n'est Sidi Saïd. Ils sont très très liés à cette ville. Et donc, ce qu'on voit là, c'est une alternance entre Tizi Ouzou et Ain al-Hanam. Tantôt, il y a Mazouzi de la Leila de Tizi Ouzou, Ahmed Ali d'Ain al-Hanam, Faroubi de Tizi Ouzou, Sidi Saïd d'Ain al-Hanam, c'est-à-dire que il y a déjà dans le choix des Wali une alternance qui, à mon avis, a eu des répercussions dans les choix qui ont été faits au niveau des casements à travers l'action du parti dans le choix des candidats. C'est-à-dire que chaque Wali avait besoin de ses propres interlocuteurs et on peut mettre en relation ces deux ensembles de données. C'est du moins mon hypothèse. Si on a voulu, dans la région de la Badin-Ferrathen et Ain al-Hanam d'une part et Azazga d'autre part, organiser une circulation des élites à travers les élections, un élément de la stratégie aurait été justement une alternance au niveau du poste du Wali. C'est comme ça que j'ai compris ce qui s'est passé. Il peut y avoir bien entendu d'autres éléments d'explication dont j'ai pas pu m'informer à l'époque. Or, maintenant je veux parler d'un cas bien précis, la commune de Tassa. Parce que ce qui m'a alerté au début, en quelque sorte, ce qui m'a attiré mon attention sur toute cette question des élections de Tassaf, c'était le cas des élections à Tassaf en 1975. C'est à Tassaf que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de cela. En partie parce que le résultat de ces élections, c'était que un des leurs, quelqu'un de leur village, était devenu président de la PC. Donc ils étaient plutôt contents de ce résultat et ils voulaient bien en parler. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que pour aboutir à ce résultat, l'élection de certains Aoumar Goudi comme président de la PC à Tassaf en 1975, il a fallu tout un ensemble de manœuvres et de conflits et de concurrences. Il s'est passé, c'est-à-dire que c'était le fruit d'un jeu politique très très compliqué. Ce n'était pas du tout le cas que le parti avait s'était décidé, on va imposer à Aoumar Goudi. En fait, Aoumar Goudi n'était pas du tout le choix du parti. Le parti, au niveau de la CASMA, à Tassaf, avait en fait porté sa préférence sur un tout autre individu. Et donc, il y avait un aspect, en quelque sorte, mystérieux. Il s'est passé des choses, et des gens là-haut m'ont donné certains éléments, et j'étais intrigué, j'ai voulu chercher un peu plus, pour comprendre. Évidemment, comme vous avez sans doute déjà remarqué, un préalable de toute ma démarche en tant que chercheur sur ces questions, c'était de ne tenir aucun compte de ce dicton algérien, ne cherche pas à comprendre. J'ai cherché à comprendre. À tort raison, j'ai mis un temps fou dans cet exercice, mais en fait, je le regrette. Alors voilà, pour vous donner un peu le background, Tassaf, à l'époque, ça a éclaté en plusieurs communes beaucoup plus petites. Mais à l'époque, c'était une commune de 18 villages qui appartenait dans l'ancien temps. Qui se disait appartenir, il y avait un flou sur cette question, est-ce que c'est le passé ou c'est encore le présent, qui appartenait à cinq arches distinctes,
les Français disaient doua pendant le terme à l'organisation des tribus nomades des hauts plateaux. Le mot traditionnel en Kabylie, c'est bien arche. Il ne faut pas confondre ça avec ce dont on parlait il y a 10 ans. Ça, c'est notre histoire, c'est la rouge. Mais à l'époque, il y avait donc 5 arches, 5 tribus, si vous voulez. Il y avait 2 villages des Atoassifs, alors que tous les autres villages des Atoassifs étaient dans la commune voisine, qui portait le nom d'Oassif. Il y avait tous les 7 villages des Iboudrabes, ou Intiboudrabes. Les 2 villages, parce qu'il n'y en avait que 2 très grands villages, le gros village de Doua, Yatafen ou Intataf. 6 des 7 villages des Atrides, parce que le 7e, Agonien Taslant, était dans la commune d'Ain al-Ham. Et un seul village, Meskine, un seul village des Afou Yosef. Tous les autres villages des Afou Yosef, c'était dans la commune d'Ain al-Ham à l'époque. Or, si on. Bon, voilà donc la première colonne, mais il y a cette deuxième colonne. Dans la société de la région, dans la période précoloniale, les arches appartenaient souvent à une entité plus grande qu'on appelait Fakhlil. Fakhlil, c'est évidemment c'est le mot arabe Kabila, mais berbérisé. Non pas pour dire tribu, mais pour dire confédération. Et dans la haute Djurdjura, il y avait ces deux grandes confédérations, les Al-Bertloun, qui réunissaient les Al-Fouassif, Al-Fouani, Al-Boudrar et Al-Fouakash. Il y avait la confédération des Al-Mengadeth, qui rassemblait les Al-Mengadeth, les Al-Khalil, les Yatafen et les Al-Fouyous. Or, j'ai fait le constat que, en regardant la liste dressée par le Kasma du parti du FLN, en 1975, une trentaine de candidats pour les 15 sièges qui étaient à pourvoir, c'est ça. Il y avait 15 candidats des Al-Fatloum et 15 des Al-Mengadeth. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une pure coïncidence dont il ne faut pas tenir compte? Ce que, c'est-à-dire la colonne à droite me pose problème. Parce que la Fakhlil traditionnelle n'avait plus aucun rôle. C'était une alliance unitaire, essentiellement maintenue pour faire front à la puissance ottomane. C'était ça la rationalité de Fakhlil dans la Kabylie précoloniale. Mais on constate que, curieusement, la liste dressée par le parti de FLN a organisé une répartition absolument égale entre villages originaires des Al-Bethloun et villages originaires des Al-Mengadeth. C'est curieux. Je laisse ça comme ça pour l'instant, sans vouloir aller trop loin dans l'interprétation. Par contre, on voit que beaucoup de villages étaient représentés, pas tous. Certains villages avaient plusieurs candidats, par exemple le village d'Akwatan, on avait 3, le village d'Ethmeslaïm des Afriles, on avait 3. D'autres plus petits n'avaient qu'un seul candidat. Il y avait des villages qui n'avaient pas de candidat, ayant eu des candidats lors des scrutins antérieurs. Or, on voit en particulier que le nombre de candidats originaires des villages Iboudrala est impressionnant. Et en fait, celui qui avait été le maire de la commune, le président de la PC, depuis 1967, pendant 2 mandats, Khalifa Bedir était lui-même d'un village Iboudrala. Il était du village Rilouamas. Certains d'entre vous le savent, peut-être c'est le village, entre autres, du célèbre chanteur Nizat Mengadeth. Et pour revenir à cette question de la continuité entre époque coloniale et post-coloniale, c'était aussi le village qui a fourni un grand notable sur lequel les Français ont misé au début de la conquête, pour changer d'avis par la suite. Avant la bataille des Chevedenois, avant la conquête de la région en 1857, les Français avaient misé sur un grand notable de ce village, le Bachara Sidel Djoudi, Devil Guamas. Par la suite, Sidel Djoudi ayant changé
d'attitude vis-à-vis de la France. Les Français ont misé sur notre famille de montage. Bon, alors, il y avait donc cette liste de candidats dressée par le classement. Et on voit, quand on met ça en relation avec les maires de la commune depuis l'indépendance, on voit qu'il y a en quelque sorte, malgré l'équilibre entre villages originaires des Alpes-Mengel et villages originaires des Alpes-Pétrole, on voit qu'il y a un monopole Alpes-Pétrole. En fait, c'est presque le monopole des Alpes-Poudre. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'en 1975, l'élection d'Armand Joudi, bien que offrant la réussite à un autre village, à Toivan, plutôt que Rebuanas, semblait maintenir cette hégémonie locale d'un seul tribu, les Alpes-Poudre. Or, en fait, ce qui s'est passé est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on peut comprendre dès qu'on voit, en fait, la liste des candidats. La liste des candidats élus, on voit que tous les candidats, sauf deux, étaient des villages Atmengel. Et le fait que le maire était d'un village Ibudral pose donc problème. C'est curieux, parce que tous les autres candidats des villages Ibudral n'ont pas réussi, n'ont pas été élus. Alors que jusqu'en ce moment-là, il y avait lieu de croire que les Ibudral dominaient la vie politique de la commune. Du coup, ils sont complètement, ils semblent avoir perdu d'une manière très très sérieuse. Ils ne réussissent pas à faire élire seul candidat, sauf les candidats de ce village à droite. Donc vous voyez déjà, j'espère que vous voyez déjà que en fait ce qui s'est passé est assez compliqué. C'est pas quelque chose de simple du tout. Et pour expliquer ce résultat, il fallait vraiment aller jusqu'au village d'Atouata et écouter ce que racontaient les gens de ce village pour comprendre ce qui a dû se passer. Et tout ça à l'époque du Parti unique. Mais c'était un jeu très 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 compliqué. Or, d'abord, pour expliquer comment ça se fait que c'est un candidat d'Atouata qui a pu devenir président de la PC, il faut d'abord expliquer, il faut raconter un tout petit peu sur ce village à Poivre. Je regrette beaucoup que Hamou Amirouche, qui était avec nous hier, n'a pas pu assister aujourd'hui parce qu'il en parle dans son livre sur le colonel Amirouche. Je ne sais pas, Karim, is it possible to show something from my other? Je veux vous faire connaître un tout petit peu ce village. Voilà. Ok, parce que c'est une autre conférence que j'ai donnée ailleurs. Pour vous montrer, voici, vous voyez la chaîne de Jojoba. La commune de Tassa, c'est là-haut. Et là, il y a l'entrée de la vallée qui mène à Etoivan. C'est vraiment village. On ne peut plus reculer. C'est un village des Igobawen, comme on dit localement. Ça, c'est la région de Tassaft, dans le Haut-Jojoba central. Et le village d'Etoivan se trouve caché dans cette vallée, au cœur de la chaîne du Jojoba. C'est la seule point dans la chaîne de Jojoba où ça s'ouvre pour enfermer une petite vallée. Et dans son roman sur la révolution, Mouloud Mamery parle d'Aïtouavan et un des protagonistes de ce village fait référence en parlant du dernier village avant la montagne. En fait, c'est le village derrière la montagne, le cœur de la montagne. Et c'était bien évidemment un bastion de la haine pendant la guerre de libération. Et c'est pour cela que Hamou Amirouche, dans son livre sur le colonel Amirouche, parle d'Aïtouavan. C'était un des lieux forts de la révolution. Voici la haute vallée d'Aïtouavan, le village que vous voyez au fond là. Pendant quelques mois, en 1957, c'était le PC de la wilaya. On parle
naturellement, surtout d'Akfadou, comme étant le capital de la Wilaya 3, parce que c'était la forêt au-dessus du village de Mezbara, et aussi Bounaman, dans le nord-est de la Kabylie, a servi de PC, mais à un moment donné, le Akbaran était le PC de la Wilaya 3, jusqu'à ce que les Français se décident de détruire le village, d'évacuer tout le monde, dans les Manu Militari, et puis ils ont envoyé l'aviation pour bombarder le village, pour le détruire complètement. Et les gens d'Akbaran étaient donc dispersés, regroupés à droite et à gauche, et ce n'est qu'en 63 qu'ils ont pu revenir au village, au printemps 63. Ils ont passé l'été à travailler comme des fous pour rebâtir leur maison, ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est un village qui a une histoire et qui a joué un rôle très important dans la région pendant la guerre de libération. Voilà, ça vous donne une meilleure idée. C'est l'île de l'Est. Et de plus près, ça se trouve à l'ombre du plus grand sommet de Jojara, Tandou Tandanafedej. Donc c'est un village particulier. Or, à l'époque, dans les années 70, les gens d'Akwavan ne se plaignaient pas. Il se considérait comme négligé par l'administration locale. Il avait en quelque sorte un compte à régler. Et ayant été d'accord avec le choix du président lors des scrutins précédents, ayant voté ensemble avec les autres villages du Loa, de l'Arche, etc., en 1975, ils ont fait défection. C'est la clé de ce qui s'est passé. Le village d'Akbaran s'est dit pourquoi suivre les mêmes mots d'ordre, pour ainsi dire, de la même clique. On parlait comme ça. Quand nous, on ne rencontre rien, il y avait tout un discours que j'ai entendu maintes fois au village, un discours une plainte. Nous, on était les premiers à se battre, on est les derniers à être servis. Vous pouvez peut-être reconnaître un peu ce genre de discours, c'était un discours. Sur la légitimité, ils se considéraient qu'on ne peut plus légitimer, et c'est vrai, ils avaient beaucoup, beaucoup donné à la libération de l'Algérie. Mais puisqu'ils étaient le village le plus reculé, ils étaient les derniers à être servis, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et donc, ils avaient perdu confiance dans les choix politiques qu'ils avaient eu l'habitude de faire. Et en 1975, ils ont pris la décision de faire défection. Comment faire défection dans un système du parti unique? Là, il faut comprendre qu'en fait, au moins dans cette région, le fait que le parti proposait 30 candidats alors qu'il n'y avait que 15 sièges avait un effet immédiat sur la manière dont se déroulaient les élections. En fait, ce qui se passait, c'est que tout de suite, se formaient deux listes officieuses, c'est ça, enfin deux listes informelles, qui se comportaient comme des partis politiques concurrents. Puisqu'il y avait deux fois le nombre de candidats que de sièges, il y avait une concurrence. Et les concurrents formaient tout de suite deux alliances concurrentes. C'est comme s'il y avait deux partis politiques en lice. Et les deux listes qui se concurrençaient faisaient campagne dans tous les villages. Et dans tout village, le liste A avait ses répondants et le liste B avait ses répondants. Et il s'agissait de convaincre le village que son intérêt, c'était dans son intérêt de soutenir les uns par les autres. Le village votant comme un seul homme. C'était aussi une prémisse de ce qui s'est passé, au moins dans cette région. Ce n'était pas les individus qui votaient, c'est les individus qui assistaient à l'assemblée du village pour décider comment le village va voter. Et on votait en fonction de l'intérêt du village, qui était l'intérêt tout à fait terre-à-terre, tout à fait pragmatique. On veut l'électricité, on veut que l'administration locale soit secouée pour qu'il fasse enfin quelque chose pour nous. Donc, c'était comme ça, ça faisait partie des facteurs qui déterminaient le jeu.
Donc, alors que, et donc là, on entre dans la logique. Pardon, c'est une charte qui vous montre la situation de la Voie-Val, exactement dans cette vallée. Au sud-est de la commune, tous les autres villages, c'est vers le nord. Et voici les villages des Égouts de Varan. Et vous voyez qu'à Voie-Val, c'est vraiment le pauvre cousin éloigné. Dans les autres villages plus au nord, plus évolués, plus, qui avaient pu bénéficier de leur proximité à la route nationale, etc., etc., et qui avaient aussi fourni pas mal d'élites, ils avaient été mieux placés pour profiter des possibilités éducatives, etc. Ils étaient plus évolués. Et il y avait tendance, un peu de, chez ces villages-là, de mépriser un peu à Toivan comme étant en quelque sorte des rustiques. Et donc il y avait des comptes avec en quelque sorte entre villages du même bois. Voilà. Je veux revenir à l'autre, c'est pour ça que je commence à me perdre. Voilà. Ça vous donne l'idée de ce village. Voilà. C'est ça. Bon. Alors. Voilà, pour revenir au résultat 75, on voit qu'il y avait deux candidats à Ebaudera à l'élu, tous les deux du village Akwadan, et tous les autres c'était des candidats des villages Akwadan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un deal. Akwadan a fait défection. Et s'est allié avec les villages, surtout des villages Akwil, qui étaient l'élément déterminant du côté des villages Akwadan en général. Et le deal était essentiellement le suivant. On fait défection, ce qui va vous permettre, ce qui va permettre à vos candidats d'être élus en masse. Parce que ça vous donne la majorité en ce qui concerne les voix, les votants. Ça garantit votre victoire, mais nous, on veut, en revanche, on veut que ce soit un autre candidat qui devient président de la TC. Et donc, la liste essentiellement soutenue par les villages Afriques, les Galet, a accepté ce deal pour avoir leur candidat élu à la PC. Ils acceptaient que ce soit quelqu'un des Atouavans qui devient président de la PC. Et ce qui, ça s'est passé comme ça, ce qui a provoqué une réaction dramatique de la part des autres villages Ebaudera. Regardez bien, regardez bien le nombre de voix obtenu par celui qui est élu en première position, 75. 3800. Alors que 4 ans auparavant, celui qui est élu en première position, le maire de l'époque, Khalif Ouedir, il obtient le 12. C'est-à-dire le taux de participation en 75 a chuté de 50%. Pourquoi? Parce que tous les autres villages Ebaudera ont boycotté. Dès qu'ils avaient appris la défection d'Aquadam, ils se sont dit, ça prend la peine, on va boycotter, on ne va pas jouer le jeu. Un des nôtres a fait défection. Donc, on ne peut que perdre. Donc, on ne joue pas. On se retire. C'était la réaction, il me semble, automatique et instinctive. C'est mon hypothèse, mais de toute façon, c'était la réaction de tous les autres villages Ebaudera. On ne joue pas. On va perdre, on ne joue pas. On boycotte. Ce qui a créé, évidemment, un problème de légitimité pour le nouveau maire, qu'il a très très bien compris d'ailleurs, parce que il fallait quand même composer avec les autres villages des Ebaudera pour que, par la suite, une fois l'élection terminée, ils acceptent quand même l'autorité du président de la PC. Que le problème ne perdure pas, il faut régler ce problème tout de suite, et donc une des premières choses qu'a fait Aouma Djoudi, le nouveau maire, c'était de nommer des cadres originaires des autres villages Ebaudera à l'administration. Secrétaire de la mairie, chauffeur de la mairie, etc. Pour
pour faire comprendre aux autres villages que c'est compris, on va quand même composer. Vous aurez votre part. C'est, il me semble que c'était comme ce, dans cet esprit-là que tout le monde a agi. Or, donc il y avait manœuvre d'Adwaban, défection, contre-manœuvre des égouts de la Lame, boycott. Et tout ça s'est passé sous, en quelque sorte, le bonus du parti, dans le système du parti unique. C'est-à-dire, ce que je mets, ce que, en quelque sorte, j'ai compris, c'est que, en fait, c'était un système qui n'imposait pas des choses, qui imposait bien sûr certaines choses, certains cadres, certaines règles, mais qui laissait jouer beaucoup de choses, qui permettait un jeu, et qui avait intérêt à permettre un jeu. Parce qu'à l'époque, il me semble que le premier souci du pouvoir, c'était que les Algériens légitiment le système dans son ensemble, en participant. Pour les amener à participer, il fallait que ça soit dans leur intérêt à participer. Il fallait donc leur offrir la possibilité de prendre des décisions pour eux-mêmes, de décider où exactement était leur intérêt à un moment donné. Et comme ça, on laissait faire, on créait un certain marge de manœuvre pour les acteurs locaux en fonction des intérêts locaux. L'État ne cherchait pas à gérer tout, à dicter tout, pas du tout. Il y avait une espèce de liberté politique dans ce cas qu'on peut voir comme contraignant d'un certain côté, mais en fait permissif d'un autre côté. Et pour conclure, juste deux, trois autres remarques. Celui qui s'est fait élire donc, à travers toutes ces manœuvres, Omar Djoudi, je ne sais pas combien d'entre vous étaient là hier, quand Hamou Amirouche a parlé, il a parlé entre autres choses de cette école qui a été mise. Qui a été créé sur l'initiative de l'Ocola de l'Amérouche en Tunisie, à Tunis. Et qu'il y avait cette politique que Amérouche, colonel Amérouche, il envoyait en Tunisie des jeunes qui se montraient prometteurs intellectuellement pour qu'ils puissent échapper à la mort en Kabylie pendant la guerre, pour qu'ils puissent poursuivre des études. Pour être les cadres de l'État-nation indépendant par la suite, c'était quelque chose, il y avait de la vision là-dedans. Or, Omar Djoudi, c'est un de ces jeunes qui avait été sélectionné et envoyé du village d'Adwaban avant que les Français le détruisent pour étudier en Tunisie. Il y a aussi Haroubi et Razali. Haroubi et Razali aussi. Vous avez retenu les noms. Et donc, avec cela, il y avait quand même deux autres facteurs qu'il s'agit de signaler dans cette histoire très algérienne, me semble-t-il, c'est-à-dire très compliquée et passionnante. Enfin, ça m'a passionné. Omar Djoudi, c'était pas seulement un bénéficiaire de cette politique du colonel Amirouche, mais c'était aussi un enseignant. À l'époque, les enseignants étaient très, très respectés. La vocation, le métier d'enseignant en Kabylie, il y avait beaucoup de prestige dans la région. Et en fait, les deux candidats des Adwaban étaient tous les deux enseignants. Et ils étaient tous les deux enseignants arabisants. Et le wali, fraîchement nommé, c'était Farouk, qui était aussi un enseignant arabisant. Or, le candidat élu, Omar Djoudi, à Adwaban, avait un cousin, aussi nommé Omar Djoudi. Vous voyez à quel point l'Algérie peut être compliquée pour l'étranger. Il ne fallait pas confondre les deux. Et le cousin était lui-même aussi enseignant à l'Arabisan, mais pas à Tassat, à Tizilouz. Où on peut faire l'hypothèse qu'il a pu rencontrer le Wali. Et que, en fait, quand on voit la liste des candidats en 1975, il n'y avait que trois enseignants arabisants. Les deux d'Adwaban et un autre du village des Atboudra, appelé Thalal Blazer. Or, le boycott de tous les autres villages d'Adwaban a empêché le candidat
arabisant de Fadal Fazat d'être en lice. Et ce qui s'est passé donc, c'est qu'on a choisi un des deux enseignants arabisants pour être président de la PC. Et ce n'est pas les élus qui l'ont choisi. Parce que le choix de président, même si théoriquement c'est aux élus de choisir librement, en fait, il y a la commission, n'est-ce pas? Il y a la commission du parti, je crois bien, mais auquel assiste le web, qui faisait le choix définitif. Et au moins, dans la région de la Kabylie, il s'est avéré qu'en fait, la parole de Wali avait plus d'influence que la parole du commissaire du parti. Il se mettait sans doute d'accord, mais c'était quand même le Wali qui pesait beaucoup, de son poids beaucoup dans le choix définitif de chaque président de la PC. Donc on peut voir dans cette histoire beaucoup de choses à la fois. Ça relativise l'idée que du rôle du parti. Il avait un rôle, mais ce n'était pas déterminant. Il y avait l'administration, représentée surtout par le Wali, qui avait un rôle très important. Il y avait aussi l'importance de la légitimité à la base, car Omar Djoudi, c'est une famille de Moudjahidi. C'était une prémisse, sans quoi il n'aurait pas été candidat. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les considérations de légitimité au niveau de l'opinion publique locale, du village et de la région. Et il y avait aussi ce lien à la politique nationale du pouvoir, qui était de promouvoir l'arabisation dans la région. Tous ces éléments entraient dans un mélange qui a fourni ce résultat. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé, et j'ai voulu donc tout simplement vous faire connaître un peu ces éléments des recherches que j'ai menées dans les années 70. Ça m'a intrigué et j'ai fini par me dire qu'en fait le rapport État-société, au moins dans cette région, je suppose que c'est pareil dans beaucoup d'autres régions. Je ne vois pas vraiment de spécificité kabyle là-dedans. Je pense que l'État, en fait, a agi de cette manière, plus ou moins, au moins à la campagne et surtout à la montagne. C'est-à-dire, c'était une politique, me semble, qui cherchait à, en quelque sorte, faire participer la société, faire entrer la société, y compris dans les villages les plus reculés, dans le cadre politique de l'État-nation, et pour amener les populations de participer, on faisait des concessions, on offrait des possibilités. On permettait les acteurs politiques locaux d'avoir un rôle, de jouer le rôle comme ils voulaient. Donc s'accommoder de ces manœuvres. Et pour ces raisons, les gens, la vie politique intéressait les gens. Les gens, non, à moins qu'ils se décident de boycott, ça c'est une tactique pour le moment, dans cette situation quand même. Mais il y avait une participation très importante. Moi j'ai été dans ces villages, je voyais que les gens discutaient avec ils étaient très 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 intéressés par ces questions. Il y avait des enjeux, c'était pas bidon du tout, c'était très vivant. Et voilà, c'est un témoignage que je vous donne sur ce que j'ai dit et ce que j'ai compris. Merci, professeur Hilbert Roberts. Nous vous envions cette connaissance de la Kabylie. Moi, je ne connaissais pas personnellement, heureusement, car je n'ai pas autant la Kabylie que vous. Et ça encourage beaucoup de chercheurs, surtout les jeunes chercheurs, de s'intéresser à toutes ces régions kabyliques. Et effectivement, il y avait la vie politique, elle est toujours d'ailleurs, à tel point que lors des élections, on a cessé, ça depuis 1967, même à des violences. Même à des violences, comme dans tous les pays du monde, mais un peu plus violemment. Maintenant, ça se calme un peu, mais ça dépend des régions aussi. Donc là, s'il y a un comparatisme à faire, là, c'est un cas d'un pays de montagne, très enclavé, mais il y a aussi des spécificités pour les villages de PL, pour les villes côtières, pour les grandes villes, et on peut faire la même démarche, et peut-être qu'on peut arriver au même résultat. Pour les Djoudi, ils avaient un Djoudi qui était professeur d'anglais,
et ambassadeur aux États-Unis. Mais je ne sais pas si c'est le même, parce que je l'ai connu. Non, non. C'est pas le même. De Marrakech, c'est là. C'est le père du ministre actuellement, il est là. Non, je vous dis. Vous parlez de Jody Lordier. Jody Lordier. Il était l'ambassadeur de Kikaloua aussi. Là. Il était en Tanzanie, en ce sens. Oui. Donc, c'est Jody Lordier et de Marrakech. C'est le. Sa sœur, c'est la femme de Maître Noumour. Ah, donc. Oui. Donc, c'est à vérifier quand même. Il était professeur d'anglais, il a été juste passé. Donc, on peut trouver, et puis ce que vous venez de développer, sur le plan de l'anthropologie politique, c'est très intéressant, et ça pourrait ouvrir pour nos jeunes chercheurs, pour les vieux chercheurs, aussi des perspectives de recherche très très intéressantes, notamment en matière de sociologie électorale, qui n'est pas très très développée chez nous. Là, il faut la développer sur le problème de l'absentéisme, sur le choix des candidats, sur la circulation des idées que vous avez à travers les élections. Évidemment, moi, j'ai commencé à m'y intéresser, mais je n'ai pas eu le temps pour la ville d'Oran. Je me suis trouvé un jour embarqué dans cette histoire. Donc, j'ai vu de l'intérieur comment ça se passait et de l'extérieur. Mais quand même, merci, professeur Hugo Roberts, pour cet éclairage anthropologique très très intéressant qui concerne justement l'une des pistes les plus formidables de l'anthropologie politique.